Grâce, depuis 2018, le TH Entrepreneuriat Club vient à Crans-Montana pour les stages préparatoires de l'Incube. Quel est l'intérêt pour votre association de venir à Crans-Montana? Alors, l'idée de LinkedIn Challenge, c'est de montrer aux étudiants que l'accès aux startups, à la création d'entreprises, est ouverte à tous. Et l'opportunité qu'on a à Crans-Montana, c'est qu'on peut les regrouper dans un espace qui est premièrement magnifique, mais deuxièmement, on a l'accès à tout ce qui est facilities en termes de salles, d'activités à l'extérieur pour les aider à se concentrer, à être productifs, mais aussi on a l'accès à ce support de la part de l'association des communes de Crans-Montana qui nous met à disposition chaque année les salles dont on a besoin, les équipements dont on a besoin, qui nous donne ça. Et ça permet en fait de faire en sorte que nous, l'Entrepreneur Club, qui sommes évidemment une association d'étudiants volontaires, et avons accès à cette opportunité de pouvoir créer un événement qui montre ce que la Suisse a de mieux à offrir, parce qu'on veut aussi leur montrer que la Suisse est un écosystème pour les futurs entrepreneurs qui peuvent venir ici et recevoir le support dont ils ont besoin. Et nous, pour nous, l'Entrepreneur Club, ça nous permet aussi de revenir chaque année pour faire des activités qu'on adore à Crans-Montana, telles que la randonnée et comme le rafting qu'on fait cet après-midi. L'édition 2021, 30 participants, qu'est-ce que vous en retirez? Alors j'en retire beaucoup de fierté parce que ça n'a pas été facile d'organiser cette édition en cette période difficile de Covid. Mais surtout j'en retiens beaucoup d'admiration de la part de cette équipe qui a organisé cet événement. On est très heureux pour la première fois d'avoir des étudiants sud-africains qui sont venus jusqu'à Crans-Montana pour cette formation et qui vont retourner dans leur pays pour intégrer les cubes dans lesquels ils vont innover pendant 5 jours. Mais aussi nous avons encore une fois pu ramener des étudiants de tout autour de la Suisse qui viennent à Crans-Montana et des États-Unis. Donc ça nous permet de encore une fois créer cet écosystème où on met l'humain en avant, où ils peuvent rencontrer des gens qu'ils ne pourraient autrement pas rencontrer, mais aussi leur permettre de grandir dans leur envie de créer des entreprises, de s'engager dans l'entrepreneuriat. Merci, grâce, et on vous retrouve l'année prochaine. Oui, j'espère. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir.